Eh hey Stein, la vidéo va commencer. Est-ce que t'as un message pour nos spectateurs? Bah ouais, bien sûr. Tu vas liker, tu vas partager, et surtout, tu vas t'abonner. Allez, bon visionnage. Eh bien, bonjour à tous, vous connaissez la chanson. On est de retour pour une nouvelle review de Dragon Ball Super, le chapitre 45, et toujours en compagnie de Vega. Bonjour tout le monde. Résume-nous vite fait ce chapitre. Eh bien, nous avons tout simplement le combat de Vegeta et Moro qui se poursuit. Donc, il reprend là où il en était. On a Vegeta qui est en Super Saiyan God et qui se bat contre Moro. On le voit un petit peu en difficulté. Vegeta va utiliser un brillant stratagème fait par les Moro. Puis, il va se transformer en Super Saiyan Blue, poursuivre le combat, dominer Moro. Moro va répliquer en utilisant davantage l'énergie vitale de la planète pour se l'administrer à lui-même. Donc il va devenir beaucoup plus puissant. Et de là, il aura aussi absorbé, oui j'ai oublié, il aura aussi absorbé l'énergie vitale, enfin l'énergie de Goku et Vegeta et des Namek. Donc il va être terriblement plus puissant. Et là on va voir les héros ne pouvant plus se transformer en Super Saiyan ni en Super Saiyan Blue. Et Vegeta se faire dominer. Donc voilà. Le chapitre se termine là-dessus. Ouais, donc concrètement, ton avis sur le chapitre, rapidement, en deux mots, on viendra en détail après. Mon avis, c'est que non, les dessins globalement sont plutôt très bons. On a quelques petites imperfections. Je t'ai envoyé les images, après c'est des petits détails. Ouais. On a Vegeta qui utilise un brillant stratagème, on a un Vegeta intelligent, un Goku pareil qui est plutôt perspicace. Donc ça fait du bien de revoir... comme j'ai déjà dit dans le chapitre précédent, voilà, de revoir des personnages tels qu'ils étaient à l'origine. Et donc du coup, oui, mon avis, c'est que ce chapitre est plutôt intéressant, mais je ne vois pas l'utilité de faire parler Moro sur ses intentions, alors qu'on les connaît déjà. C'est le petit bémol, en fait, que je trouve à ce chapitre. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord, moi c'est pareil, c'est un... Je vais dire un chapitre de transition pour ma part, parce que en même temps il se passe rien concrètement, ça fait pas avancer l'histoire. Mais au final on prend un peu son pied quand même, il y a le chapitre. Les dessins sont jolis et surtout ça fait briller Vegeta et ça fait passer Goku pour autre chose qu'un débile attardé, ce qui est le cas de Dragon Ball Super en général. Donc en moyenne, pour résumer, ouais, un bon chapitre quand même. Même si finalement sur le plan du scénario, ça fait pas avancer du tout l'histoire, parce qu'au final les motivations sont connues depuis le premier chapitre du nouvel arc. Tout à fait. Et puis non, comme tu l'as dit, oui, ça reste un chapitre correct, je dirais pas bon, puisqu'il est bien moins bon que le précédent. Il est correct, et il fait le taf, il est dans la continuité. Les dessins sont plutôt beaux, on a des belles scènes de combat. On a un Vegeta qui utilise la même stratégie que Piccolo face à Cell. Oui, c'est vrai. Donc, on a cette stratégie où Vegeta, en gros, montre qu'il est en difficulté à son adversaire pour le faire parler. Il lui dit, ouais, bon, bah, je vais perdre, je vais mourir. En gros, hein, il dit pas ça, mais c'est en gros. Et bon, bah, révèle-moi ta stratégie, du coup, hein, comme je suis sur le point de mourir. L'autre, il dit, ouais, qu'est-ce que je pourrais refuser à un mort? Donc, du coup, bah, voilà. Il lui révèle un petit peu ses intentions qu'on connaissait déjà. Et c'est exactement, limite, mot pour mot, que Cell, enfin le dialogue entre Cell et Petit Cœur, quoi, dans Dragon Ball Z. Ouais, c'est vrai que c'était, je sais pas si c'est du clin d'œil appuyé ou si c'est juste de la flemme scénaristique en mode copier-coller. Non, je pense qu'en fait, il a voulu faire un clin d'œil nostalgique. Je trouve que c'est plutôt intelligent de sa part, mais c'est le contexte qui ne va pas, puisque... Si vraiment on ne savait rien de Moro, ça aurait été super intéressant. Mais, oui, alors là, on connaît les motivations de Moro. Ah oui, on sait déjà que son but, bien sûr, c'est d'absorber limite l'énergie de l'univers. Et attends, je me rappelle plus ce qu'il dit d'autre à Vegeta, c'est pour ça que je suis en train de chercher. Par rapport au Dragon Ball aussi. Je crois qu'il veut absorber les Dragon Ball. Ah voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Non, il veut pas absorber les Dragon Ball, il veut l'utiliser. Enfin, on sait pas ce qu'il veut en faire. Ah oui, non, il veut l'utiliser, oui. Il veut les Dragon Ball, et ça, on le savait. Hein. Enfin, clairement, si l'ennemi se dirige sur Namek, c'est pas pour rien.
Voilà, voilà. En fait, c'est un chapitre qui confirme un peu les théories qu'on avait tous eues de façon assez simple sur les Dragon Ball et sur la présence de Namek. Mais du coup, voilà, au final, les révélations sont pas très importantes. Et je trouve que bah, ça donne pas plus de profondeur au personnage de Moro, qui pour l'instant est vraiment dans l'inconnu total. À part le fait que c'est un bouc qui utilise la magie, qui a l'air d'être très ancien, très puissant et vraiment méchant, contrairement à Jiren. On n'en sait pas plus. Et je pense que ça va être développé plus tard, mais pour l'instant, c'est pas la folie non plus, quoi. Bah, en fait, ce chapitre, il sert à rien, clairement. Il est ouais, agréable ça à regarder. Fillers, en fait. Il est agréable à regarder, mais on n'apprend rien avec ce chapitre, alors que le chapitre précédent, il était plus impactant dans la mise en scène et même dans les informations qu'on récoltait. Là, ce qu'on apprend, bah, c'est, on le sait déjà et c'est un peu dommage. Je trouve que là, il y a une sorte de... Je trouve qu'il cale un petit peu scénaristiquement, quoi, dans ce chapitre. Là, on a quand même un chapitre qui est... Enfin, vous voyez, un arc qui est un petit peu au point mort. Ce chapitre, c'est dommage. Ouais, ça, je trouve que ça a un peu stoppé la course. Genre, vraiment, de chapitre en chapitre, ça a augmenté en intensité, en révélation et en hype. Et là, genre, c'est stoppé net. C'est un peu, genre, d'un coup, t'as l'impression qu'il y a une longue pause. Presque, il y a plus de bruit ni rien. Genre, il est juste là, il parle tranquille et un petit coup dans la tête et voilà. En fait, t'as l'impression qu'il veut pas finir son arc trop rapidement. Donc il se rend compte qu'il a démarré sur les chapeaux de roue avec le précédent chapitre qui nous donne son lot d'informations. Et là vraiment on a l'impression qu'il veut pas rusher trop, alors du coup il cale littéralement. Et c'est un peu dommage parce que moi la sensation que j'ai eue, j'attends à chaque fois le chapitre tous les mois, et c'est assez long. Et là la sensation que j'ai eue, c'est que je me dis putain vas-y ça me fait chier, j'ai l'impression que ça servait à rien, j'ai l'impression que voilà, j'ai attendu pour rien. Voilà, ma patience n'a pas été récompensée. Ouais, en fait ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un petit côté chapitre à la One Piece, genre avec des chapitres de transition, sauf que One Piece, ça sort théoriquement toutes les semaines. Et là, il a fallu attendre un mois pour avoir un chapitre de transition. Du coup, en fait, ça veut dire qu'il faudra attendre deux mois pour avoir, entre le chapitre d'avant et le prochain, pour avoir des vraies révélations sur l'histoire. Bah du coup, franchement, non, ce chapitre, sinon oui, les dessins sont plutôt beaux. Hein. Après, on va pas dire que ma patience n'a pas été récompensée, les chapitres sont... Enfin, les dessins sont plutôt beaux. On a un Vegeta et un Goku, voilà, qui brillent plutôt dans ce chapitre. Bah, qui sont dans la continuité de la personnalité voilà. Qu'ils avaient dans Dragon Ball Z, et non celle de Dragon Ball Super. Ça. Et sinon, oui, si on accorde un petit peu plus d'importance... Au détail, on a des événements, enfin des éléments dans la mise en scène qui sont vraiment plutôt sympas. Par exemple, le moment où Vegeta repousse l'énergie de Moro en passant du Super Saiyan God au Super Saiyan Blue de base en haut, un petit peu comme ce qui se faisait dans Dragon Ball Super avec le premier film, Resurrection Freezer. Bon, on voit bien que la transformation part de base en haut, un petit rappel en fait. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, la mise en scène. Vrai. On a un Goku, Goku il est un petit peu là, toujours en retrait en fait, hein. Il observe, il analyse et on sait très bien forcément qu'il va intervenir au bout d'un moment. Après moi je l'aime bien quand même ce Goku, plutôt lucide. Oui, j'aime bien d'ailleurs le fait qu'il reste vraiment en retrait dans ce début d'arc et qu'il est vraiment observateur en fait pour l'instant. Ouais, et comme je disais, moi j'avais eu un petit regret au chapitre précédent, c'est le fait que Merus était en retrait et qu'on n'ait pas plus d'informations sur lui. Et je me suis dit, bon, après, le chapitre précédent, il nous offre beaucoup de choses, alors que c'est vrai qu'il peut pas non plus nous délivrer toutes les informations en heure et en temps. Mais là, j'ai trouvé ça dommage qu'on n'ait pas plus d'informations sur Merus dans ce chapitre. Après, oui, parce que lui, il a l'air vraiment très très informé sur le pouvoir de Moro, lui. Ouais, et je sais pas. Après, ça fait partie voilà, du scénario, C'est logique qu'il les ait pas accompagnés sur Namek, mais bon, je sais pas, j'ai un petit regret par rapport à ça, par rapport au fait que ce personnage est toujours en retrait, alors que je le trouve super intéressant. Ouais, mais je pense que c'est fait exprès, ça, par contre, c'est vraiment une volonté pour nous le ramener un peu plus tard, en mode, soit c'est le, on va dire, l'élément MacGuffin, en gros, qui va résoudre la situation, soit c'est carrément le complice de Moro, parce que s'il en sait autant sur son pouvoir, comment il a pu s'échapper, le mec, sans avoir été aidé Mais le personnage de Moro est super intéressant, mais en même temps on a ce sentiment, putain, c'est un imposteur. Enfin, il est là et en fait c'est juste un très très grand sorcier magicien et il n'exploite pas du tout son énergie, c'est pas le gars qui a une énergie phénoménale, c'est le gars qui utilise l'énergie en fait de ce qui l'entoure, il manipule l'énergie. Et c'est un petit peu, c'est un petit peu un troll en fait, d'une certaine façon quoi. Il utilise toute l'énergie qui l'entoure, l'énergie vitale de la planète, mais jamais sa propre énergie. Du coup.
Ouais, c'est vrai. Il combat avec l'énergie, avec ce qui l'entoure. Après, c'est pas plus mal, ça change un petit peu. En espérant qu'il soit pas plus omnipotent que ça. Déjà, je trouve que déjà son pouvoir est plutôt important. Ses pouvoirs magiques sont plutôt importants. Alors, j'espère que, oui, dans la suite, on n'accordera pas... voilà, le personnage ne sera pas plus... comme je l'ai dit, n'aura pas de pouvoir trop cheaté. Plus que cela. Ouais, c'est vrai. J'espère qu'on n'aura pas de pouvoir trop abusé ou trop... trop à la Tokito Baishi, qui était quand même... Même si c'était stylé, c'est une grosse arnaque. Le temps n'a pas d'effet sur lui, c'est une belle arnaque quand même. Ouais. Mais j'espère qu'on va rester dans quelque chose de... Bon, terre à terre, c'est difficile à dire dans l'univers Dragon Ball, mais plus ou moins terre à terre, où on va revenir sur du combat. Ça sera jamais terre à terre, hein, Dragon Ball. La direction, terre à terre par rapport à Dragon Ball, on va dire. La direction qu'ils ont pris, elle s'éloigne complètement de l'aspect terre à terre que tu veux. Là, on prend plus une direction justement vers. Oui et non, parce que d'un côté, quand tu regardes, tous les pouvoirs de Moro sont. Ils jouent beaucoup sur la déformation et la terraformation de Namek. Genre, ils modifient vraiment l'environnement. Bah, en fait, non, les pouvoirs de Moro, bah, c'est le Genkidama inversé, quoi. C'est l'anti-Genkidama. Là, on le voit bien à la fin, quand il rassemble l'énergie de la planète et des êtres vivants, c'est clairement le Genkidama maléfique, quoi. C'est juste ça, hein. Il n'a pas été cherché plus loin que ça, Toyo, hein. Il n'a pas été cherché plus loin. Ce mec manipule l'énergie, voilà. Son pouvoir, c'est de manipuler l'énergie vitale de tout être vivant. Et en même temps, on dit là-bas d'y chercher plus loin, mais d'un côté, enfin personnellement, je trouve que c'est simple, mais ça marche. C'est bien mieux qu'un mec qui a tapé dans le vide pendant 40 ans et qui est devenu l'être le plus puissant de l'univers. Oui, c'est sûr, mais tu sais, à partir du moment où t'as un bon scénario, des bonnes idées et de la réflexion, n'importe quelle idée peut marcher. Ouais, c'est il faut juste une bonne mise en scène et un scénario cohérent derrière. Cet aspect du Genkidama malfaisant, pour l'instant, il est bien géré. Mais si on n'avait pas eu justement ce scénario qui tient debout et cette mise en scène qui le fait briller, si ça avait été une mise en scène par exemple, pour citer un exemple comme l'arc précédent, avec Jiren et le tournoi du pouvoir, au moins que là t'aurais gueulé. Là, t'aurais eu de la merde. C'est sûr. S'il avait suivi cette mise en scène, oui, on aurait eu de la merde. Bah, d'ailleurs, puisque tu parles de mise en scène, il y a une page sur laquelle je veux m'attarder un tout petit peu. Pour la mettre en avant, c'est la page 33 du chapitre, voilà, si vous voulez aller la voir. C'est donc une page où Vegeta arrête sa transformation, et c'est une page on dirait presque un storyboard d'anime, tellement elle découpe l'action, genre on voit Vegeta qui arrête sa transformation, la case d'après on voit Goku qui tilte quelque chose, il se retourne, on voit les branches qui bougent, case d'après on voit les branches et les feuilles qui partent de l'arbre, Goku en réflexion, ensuite il regarde ses mains en mode il se passe quelque chose, et là, il y a Moro qui sort de l'eau. Et ça me vraiment, c'est en termes de mise en scène, je trouve que ça. Le fait de dilater vraiment l'action comme ça, de ralentir le temps, entre guillemets, c'est... on peut presque imaginer le bruit du vent en lisant le chapitre, en fait. Mais dès le début, Goku, il a cramé qu'il y avait quelque chose. Il a dit à Vegeta, fais gaffe, je sens qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose de pas net avec lui. Il avait cramé déjà directement qu'il y avait quelque chose de louche avec moi. Et d'ailleurs, tu me rappelles, Moro qui sort de l'eau, c'est juste vachement copié-collé de la scène Freezer. C'est-à-dire, oui, aussi, oui. C'était pas Freezer en fait, c'était le combat Goku et Freezer. Freezer envoie Goku dans l'eau, et justement on a Goku pareil qui ressort de l'eau de la même façon que Moro ressort Alors en même temps, ouais. Certes c'est du clin d'œil un peu trop fanservice à mon goût, mais d'un côté, d'un point de vue scénaristique, c'est un peu aussi genre... Il y a un peu un côté genre retour aux sources entre guillemets, genre d'un point de vue genre en gros... Voilà, ah, c'est oui, un peu gueulé avec le tournoi du pouvoir, et là on essaye de vous faire un peu plus plaisir. Mais totalement, là, déjà de choisir Namek pour lieu de combat, ouais, déjà on a clairement ce retour aux sources qui est assumé. Parce qu'on revient au côté très désertique de Namek, enfin désert. Très, oui, si, désert vide, quoi, très vide. Ah, mais très moi j'ai toujours adoré la planète Namek. Dans les lieux de combat, j'ai toujours adoré Namek, déjà dans la saga Freezer, et puis même dans le film avec Metal Cooler. J'ai toujours kiffé Namek, hein. C'est une putain de planète de ouf, je trouve, dans l'univers Dragon Ball. Et d'ailleurs, je trouve que sur ce chapitre-là, un truc qui est vachement bien dans les dessins, c'est que on a presque l'impression que c'est poussiéreux. Surtout pendant les scènes de combat, il y a beaucoup de traits, plein de petits traits là qui sont par-dessus les images, et ça fait vraiment poussiéreux, genre comme si vraiment le combat entre les deux personnages ramassait beaucoup de poussière, un peu à la manière d'un western. Sachant qu'on a déjà eu des clins d'œil dans les précédents chapitres au western. Ouais, c'est vrai. C'est pas fou. Hein.
Non, moi je trouve que dans le combat, je trouve que le combat fait davantage plus divin en même temps que les autres. Il fait beaucoup plus divin que le combat Goku Ultra Instinct contre Jiren. En manga, je parle. Dans Ah l'aspect oui, totalement, technique, oui. on a Moro qui est là en train de manipuler un petit peu l'énergie. Bah, c'est pas un petit peu, il manipule complètement l'énergie vitale de la planète Namek. Il dit même d'ailleurs que cette énergie est colossale. Donc elle lui sert justement pour affronter Vegeta. Et on le voit, Moro, il envoie des pics, enfin, de l'énergie à distance. Et à un moment, on le voit, cette scène, justement, je trouvais que cette case était vraiment belle. On a Moro qui saute sur Vegeta par derrière et qui justement amène cette énergie. On a cette scène un petit peu en contre-plongée, de haut en bas, un petit peu, je sais pas, on a quand même un côté ouais divin. Moi, ça me fait vachement penser. Bah, tu vas me dire, ouais, je parle loin, mais à une justice en fait. Mais pas mal de trucs comme ça en fait. Le Oui, combat, le en fait, il y a beaucoup Superman. dans ce manga, il y a beaucoup de jeux de hauteur, des personnages, genre un qui surplombe l'autre. C'est ça. Et notamment Vegeta, on lui redonne un petit peu son côté prince, un petit Ouais. peu. Il fait davantage plus noble que dans les autres chapitres. Il a plus de prestige, ce Vegeta. Il est plus, ouais. On voit que Toyotaro cherche à lui redonner un petit peu plus de sa grandeur, en fait, avec ce chapitre, et ça se sent. Même dans son développement, que ça soit dans l'aspect physique, dessin, ou que ça soit dans la mentalité du personnage. Ouais, parce que rien que le fait qu'il mette sa fierté Ouais, du d'ailleurs, guerrier de notamment, je te côté l'ai dit. pour faire parler le méchant, ça c'est vraiment très div très noble, C'est ça très que noble en fait. je disais, en fait. C'est justement cette tactique, le fait que, en fait, déjà c'est une tactique, oui, comme je disais, qui est un peu un clin d'œil copier-coller de Piccolo et Cell, mais en fait cet élément, il a encore plus d'impact que ne l'avait Piccolo, puisque là c'est Vegeta en fait, et Vegeta, on sait très bien qu'il n'est pas prêt, qu'il a jamais été prêt à rabaisser sa fierté dans un combat. Là, le gars qui clairement s'estime inférieur en fait pour mettre en place sa stratégie. On, Ouais, c'est ça. jamais, jamais on a vu Vegeta sur des plans, enfin dans le manga, s'avouer vaincu, s'avouer inférieur à son ennemi. Il a toujours voulu se sentir supérieur. Et c'est là que Toyotaro a vraiment fait la différence. On a vraiment un Vegeta qui a évolué. Et d'ailleurs, lors de ces scènes, faut montrer, c'est intéressant, quand Vegeta s'estime inférieur à son ennemi, comme tu le dis, on a ces scènes en contre-plongée, en fait, où Vegeta, il Ouais, est en où bas. Vegeta est vraiment en dessous de Il est Moro. vraiment bas et Moro est au-dessus. Et ça, c'est pas anodin, hein. C'est justement pour Ah, en termes de montrer. réalisation, ouais, là c'est pas de la surinterprétation, là c'est vraiment de la réalisation pure, c'est Et le moment bien où travaillé. Ouais. Vegeta reprend l'ascendant, où il se transforme en Super Saiyan Blue et il redépasse son ennemi, ça s'inverse. Ils sont à la même hauteur où ça s'inverse. C'est Voilà. ça s'inverse, oui. En fait, au début, il remonte très vite en quelques sauts, on va dire, ou quelques longueurs de vol. Et très vite dans le combat, il est tout le temps au-dessus de Moro. Et d'ailleurs, il lui balance une phrase que j'aime bien, c'est ouais, j'ai dissimulé ma véritable force comme tu as dissimulé ta véritable volonté. Et phrase qui sera reprise par Moro dans la toute dernière case du chapitre. C'est vrai, ouais, il reprend exactement la même phrase que Vegeta et c'était plutôt impactant, c'était plutôt pas mal. C'est bien pensé, ouais. Et d'ailleurs, en plus, pour continuer sur cet aspect de contre-plongée, on a Vegeta justement qui assène un coup de pied en esquivant les attaques de Moro, il lui assène un coup de pied dans le ventre, plutôt stylé, et en ce moment, justement, Moro part dans l'eau. Et après cette scène, on a Moro qui se relève, qui sort de l'eau, et là, Moro reprend de la hauteur sur le rocher. Vegeta du coup se détransforme pour économiser de l'énergie, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Moro absorbe son énergie vitale, donc il ne pourra plus se transformer. Et sur cette scène, on a Moro qui est sur un rocher en hauteur et Vegeta et Goku qui sont en bas pour bien remontrer que Moro a repris l'ascendant en fait. Et Ouais, sur c'est les deux, ça, ouais, vraiment, ouais. parce que Goku c'était pas non plus anodin le fait qu'il soit en retrait, c'était pour pas qu'il y ait d'éléments de comparaison. Le mec était en retrait du combat, donc il n'y avait pas de Goku inférieur ou supérieur. Que là, on a clairement Moro qui est en face des deux, avec sur un rocher un petit peu en hauteur, et les deux justement qui surplombent pardon, Goku et Vegeta. Voilà, c'était plutôt. Il accorde beaucoup d'importance à cet aspect hauteur et Ouais, c'est voilà. vrai. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de la fin, à ton avis, comment ils vont enfin, comment? Parce que là, on laisse nos deux héros dans une situation très délicate, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de force. Enfin, c'est un ennemi qui a absorbé toute la force possible. Donc, comment tu penses qu'ils vont s'en sortir pour la suite? Bah déjà, ouais, on voit Vegeta qui se fait punir. Déjà, c'est la dernière case.
Ils se prennent la tête, et puis Goku, c'est un peu affligeant, puisque on n'en veut pas à Goku, mais on voit très bien que Goku est impuissant, en fait. Il a perdu toute son énergie, et c'est vrai que c'est... Oui, ça. Ils sont presque redevenus de simples humains, en fait. Ouais, on est là, et on se dit, putain, c'est vrai que ça fait chier, mais Goku ne peut pas intervenir. Goku a perdu toute son énergie, en fait, il peut plus rien faire. Et on a Vegeta qui est en train de se faire maltraiter, qui se prend de la tête. Et ouais, pour répondre à ta question, sinon, comment est-ce qu'on s'en sortir? Eh bien, je ne sais pas. Non, parce que c'est vrai que c'est... Je pense que Toyo, de toute façon, dans tous les cas, va chercher à nous surprendre. On va revoir encore, je suis sûr, un élément de surprise. Et attends, il me semble que Goku, toute son énergie n'est pas partie, hein, si je me rappelle bien Goku. Goku, il me semble bien qu'il a encore de l'énergie. C'est possible, ouais. De toute façon, Goku, il a toujours de l'énergie, c'est une réserve inépuisable. Et on l'a bien vu dans le tournoi du pouvoir. Hein. Ouais, mais... Non, je pense pas qu'on aura une intervention de Merus ou Jaco. Non, bah eux, c'est trop faible comparé à Moro. Ouais, donc ils vont devoir se démerder tout seuls, et on n'aura aucune intervention extérieure. Donc moi, je pense que c'est Goku qui va entrer en scène. Mais qui va affronter Moro. Moi, je pense que Goku va sauver Vegeta. Déjà, c'est sûr qu'on aura le sauvetage de Vegeta par Goku. C'est sûr et certain. Vraiment. Et Goku va briller. Je pense que Goku va avoir un autre degré d'évolution. Cette fois-ci, ce sera plus autour de Vegeta, mais autour de Goku. D'être mis en avant et Toyo va montrer, à mon avis, l'évolution de Goku dans ce prochain chapitre. Je pense qu'on aura ce Goku. Très serein, très très calme, très posé de l'arc-bout, et qui aura une idée en tête, voilà, et qui va mettre une stratégie en place. Je pense que même il réfléchit une stratégie peut-être depuis le début du combat, en fait, tu vois. Ouais, c'est un peu l'impression que ça donne, parce que Goku reste vraiment en retrait et il ne parle pas, comparé à d'habitude où il fait des blagues. Là, à chaque fois où il a toutes les fois où il a parlé, c'est pour dire genre à Vegeta, ah, bien joué ta stratégie. Et à chaque fois, ouais. Il parle de stratégie, ouais. Donc il y a vraiment moyen que dans le scénario, ce qu'il a prévu, c'est que Goku ait prévu un plan depuis le début. Même si là, il a un contre-temps parce qu'il a quasiment plus d'énergie. Bah moi, je sais que là, j'étais content de voir Vegeta, parce que Vegeta, c'est mon personnage préféré. Et j'étais content de voir Vegeta, du coup, briller de cette façon. Mais là, j'ai envie qu'un petit peu, il passe le relais. De retrouver la noblesse de Goku. Ouais, j'ai peut-être envie de voir l'héroïsme. Goku, là. Ouais, j'ai peut-être envie de voir Goku en mode vraiment héroïque, quoi. Vraiment la place qu'il a, le voir à sa place, le voir voilà, grand héros du manga, très serein, se battre contre Moro, ne pas paniquer, ne pas voir un Goku en mode « putain, qu'est-ce qu'on va faire? Je suis dépassé ». Non, j'aimerais bien voir Goku, hein, justement, calme et qui a une stratégie en tête, voilà, qui réfléchit, parce que Goku, c'est pas un abruti qui aime le combat, c'est un mec, oui, il aime le combat. Mais il est pas con non plus, quoi. Il est trop caricaturé et comment dire, beaucoup trop, je cherche un mot fort, mais en gros détérioré dans Dragon Ball Super, parce qu'il n'est pas juste un abruti avec un âge mental de 12 ans, en fait. Non, c'est... Oui, bah d'ailleurs, pour plus d'approfondissement sur ce sujet qui est le traitement de Goku, je vous propose de vous référer à la vidéo du chef Otaku qui est sortie récemment, où il résume parfaitement ce qui s'est passé avec le personnage de Goku et son traitement. Mais il a raison, en plus. Enfin, peut-être que c'est ça, en fait, pourquoi... Enfin, qui répond à la question pourquoi Dragon Ball Super n'est pas à la hauteur de Dragon Ball Z. Peut-être Exactement. Que justement, c'est le fait qu'on ait perdu, en fait, le grand héros, le personnage principal. C'est possible. Mais ouais, donc du coup j'espère le voir briller dans le prochain chapitre, notre Goku. Et je pense qu'il peut. Je pense qu'il peut, en fait. Peut-être qu'il va même réutiliser l'énergie, tu vois. Peut-être qu'il va peut-être utiliser une technique dérivée au Genkidama, tu vois, je sais pas. Il va peut-être aussi manipuler l'énergie à sa façon, comme il sait faire, je sais pas. C'est possible, ouais. C'est vraiment possible. On a hâte de voir ça. Et bah, je te propose de conclure là-dessus. Ouais. Du coup, merci d'avoir écouté cette review et on vous retrouve dans un mois pour une nouvelle review du chapitre et dans moins longtemps pour d'autres vidéos. Merci à tous. Merci, à la prochaine.